je vais vous parler de trois idéaux analytiques dont nous parle Lacan. Donc dans le séminaire 7, l'éthique de la psychanalyse, Lacan, fondateur de la psychanalyse lacanienne et guest star de la psychanalyse internationale, le français Lacan nous parle de trois idéaux analytiques, ou on pourrait dire psychanalytiques. Il pose une question dans la séance 1. N'est-il pas évident que tout normalement les idéaux analytiques trouvent ici leur place dans un séminaire sur l'éthique? Et on est tenté de dire que oui, évidemment. Alors, quels sont ces idéaux? Le premier est l'idéal de l'amour humain. Le second, nous dit-il, je l'appellerai l'idéal de l'authenticité. Le troisième, enfin, l'idéal de non-dépendance. Voici les trois idéaux analytiques ou psychanalytiques que Lacan nous propose. L'idéal de l'amour humain, l'idéal de l'authenticité et l'idéal de non-dépendance. Ce sont trois idéaux auxquels on doit réfléchir, je pense que auxquels chacun doit réfléchir. On doit se laisser traverser par cette proposition de Lacan. Voici ces trois idéaux. Et vivre avec. Tenter de vivre avec. Voilà. Un des grands intellectuels français, une guest star de la psychanalyse internationale, nous dit qu'il y a trois idéaux analytiques ou psychanalytiques: l'idéal de l'amour humain, l'idéal de l'authenticité et l'idéal de non-dépendance. On doit se laisser interpeller par ça et puis voir comment ça nous travaille, comment ça nous... Est-ce que c'est un effet psychanalytique? Sans aucun doute. Voilà. On est allongé dans une séance de psychanalyse avec Lacan. Il se passe quelque chose, puis il nous dit, ah ben, les trois idéaux psychanalytiques, l'idéal de l'amour humain, l'idéal de non-dépendance et l'idéal de l'authenticité. Fin de séance, au revoir, on part avec ça. Et ensuite... On se laisse traverser, on en fait quelque chose. Je dis psychanalytique, on pourrait dire développement personnel. C'est une voie de développement personnel qui est proposée là. C'est une personne intéressée par le développement personnel, une personne qui travaille sur elle. On doit être interpellé par ça. Transporter ça dans son quotidien et se dire, ben voilà, qu'en est-il de ces trois idéaux? Où est-ce que j'en suis? De l'idéal de l'amour humain, de l'authenticité, de la non-dépendance. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Bon. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je vous dis à bientôt. Thank you.